Toi là, tu penses que venir t'asseoir ici pour regarder le ciel là, c'est ça qui va régler tes problèmes? Hein? Tu as des problèmes, tellement que tu as des problèmes même, tout ton corps endommagé. Le matin tu sors, c'est pour regarder le ciel. La nuit dans le lit là, c'est le plafond, tu regardes. Donc moi je suis venu te marier là, c'est pour t'assister, tu vas regarder le ciel ou bien c'est le plafond, tu vas regarder. Je parle, tu ne m'écoutes pas. Tu ne réponds pas. Si tu as un problème, il faut expliquer, on va aller te faire soigner. Je parle, tu regardes le ciel. C'est pas ça la solution. Je ne peux plus supporter. Hein. Si tu n'as pas trouvé de solution là, moi je vais rentrer en famille. Ça fait combien de mois tu ne me touches pas? Hein? Et puis, je parle, il regarde seulement le ciel. Regarde, moi je t'ai averti. Hein. Si tu ne trouves pas de solution là, je vais demander le divorce. Parce que là, là, je ne suis pas venu pour t'assister à regarder le ciel. Je t'ai déjà averti. Je vais me tuer. Comme ça va finir pour de bon. Stop! Mon frère, je connais ta solution. Tiens! Tiens! Et bois! Oui, vas-y, bois! Vas-y! Va! Va! On va. Tu as porté mon problème. Quand j'ai eu. Yedi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Je t'ai posé la question. Tu as quel problème? C'est pas toi que je parle là. Attends, je vais pas continuer dans ça. Hein? Ah non, non, là, il faut qu'on soit clair. Je ne veux pas continuer dans cette histoire-là. Tu as quoi? Tu as quel problème? C'est pas toi qui as dit que je passe tout le temps à la maison, la nuit en train de regarder le plafond. Et puis dans la journée, c'est le ciel où je regarde. Ah madame, tu vois que ça n'arrive pas aux autres. C'est que toi tu es en train de faire là, on appelle ça comment? C'est que tu es en train de faire là, on appelle ça comment? Réponds-moi! Tu savais pas que toi aussi un jour tu allais regarder dans le ciel? Tu ne le savais pas? Tu es comment? Tu dis ça va pas, ça va pas, ça va pas. Maintenant c'est réglé. La première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse là pour la voix, mais c'est tout un problème avec toi. Tu as quel problème? Il dit, il faut te lever, tu vas l'accomplir ton devoir conjugal. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de s'asseoir puis de pointer tes yeux en direction de Dieu. Lève toi puis on va partir. C'est à toi que je parle, lève toi on va partir. Hein. C'est à toi que je parle. Je te parle et puis tu regardes dans le ciel. Tu regardes dans le ciel. D'accord. Quand tu vas retourner ton regard du ciel là, tu vas venir trouver ta coépouse à la maison là-bas. Je t'ai déjà informé. Hein. Je t'ai déjà informé. Ok. Jesus! Y'a quoi? Tu aimes me tuer, Obi?